Très bon mardi chez vous, madame, messieurs. Bienvenue à ces bulletins de météo. Nous sommes le 12 septembre 2023. Nous sommes dans la ville de Kinshasa, sous le soleil qui s'élève déjà dans cette ville. Bien sûr, avec la présence de nuages qui est juste caché derrière le soleil. Température maximale est de 34 degrés Celsius de chaleur à 21 degrés Celsius. Température minimale pour la ville de Kinshasa. Aucune humidité, mais un vent se présente entre 16 à 37 km par heure. Dans la ville de Matadi, sous le soleil aussi qui régnera dans cette ville, mais nous remarquons la présence de nuages tout justement devant le soleil. La température maximale, elle est élevée à 26 degrés Celsius et il fera froid en fin de journée, atteindre 18 degrés Celsius température minimale. Aucune humidité pour la ville de Matadi, mais un vent se présente entre 9 à 26 km par heure. Par contre, menace de pluie dans la ville de Mbujimayi, dans la ville de Kindu ainsi que Butembo, mais nous retrouvons la température la plus élevée dans la ville de Mbujimayi à 30 degrés Celsius, parce que derrière ces nuages de menaces de pluie, nous remarquons que c'est le soleil qui régnera pleinement dans les trois villes. 31 degrés Celsius dans la ville de Kindu et 22 degrés Celsius pour Butembo. Mais dans la soirée, il fera plus froid dans la ville de Butembo, car elle atteindra une température de 12 degrés Celsius température minimale, 21 degrés Celsius pour Kindu et 20 degrés Celsius pour la ville de Mbujimayi. 40% d'humidité et un vent se présente entre 8 à 22 km par heure. 50% d'humidité pour Kindu, un vent se présente entre 14 à 35 km par heure. Et 90% d'humidité pour Butembo, un vent se présente entre 6 à 27 km par heure. Nous sommes dans la ville de Kikwit. Température maximale, elle est élevée à 34 degrés Celsius. Nous remarquons la présence du nuage devant le soleil. C'est un nuage sous forme de menace de pluie. 20 degrés Celsius, température minimale. 40% d'humidité et un vent se présente entre 9 à 28 km par heure. Tandis que dans la ville de Mbandaka ainsi que Goma, c'est la pluie qui s'annonce dans les deux villes. Mais à la différence, c'est que dans la ville de Mbandaka, la journée commencera avec la pluie. Tandis que dans la ville de Goma, c'est d'abord le soleil qui débutera la journée et la pluie se fera suivre après. Le soleil apparaît dans la ville de Goma à 23 degrés Celsius et il fera froid en fin de journée à atteindre 17 degrés Celsius, température minimale. Tandis que dans la ville de Mbandaka, c'est la pluie qui régnera, mais après la pluie, le soleil apparaîtra à 32 degrés Celsius et elle baissera jusqu'à 23 degrés Celsius aux températures minimales. 50% d'humidité pour la ville de Mbandaka, 11 à 31 km par heure de vent. Goma nous donne 80% d'humidité et un vent se présente entre 5 à 21 km par heure. La ville de Kolwezi ainsi que Bandundu nous donne le soleil, mais avec la présence de nuages qui est juste remarquable, me caché derrière le soleil. 35 degrés Celsius de chaleur pour la ville de Bandundu. Et Kolwezi nous donne 32 degrés Celsius. Bien sûr, en fin de journée, il fera froid dans la ville de Kolwezi car elle atteindra 18 degrés Celsius. Bandundu nous donne 22 degrés Celsius, température minimale. Aucune humidité pour les deux villes, mais un vent se présente entre 10 à 28 km par heure pour la ville de Bandundu et 10 à 29 km par heure pour la ville de Kolwezi. Nous sommes dans la ville de Moanda. La température, elle est élevée à 25 degrés Celsius et elle baissera en fin de journée à 22 degrés Celsius. Plutôt, nous remarquons que c'est le soleil qui apparaîtra pendant la journée avec la présence de nuages qui cachent tout justement le soleil. Aucune humidité dans cette ville, mais un vent s'y présente entre 16 à 28 km par heure. C'est la pluie dans la ville de Kalemie, mais bien sûr, le soleil bien sûr régnera en début de journée. 30 degrés Celsius et 20 degrés Celsius, température minimale. 40% d'humidité et un vent s'y présente entre 11 à 37 km par heure. La ville de Lubumbashi, c'est le plein soleil aussi qui se présente. La chaleur, elle est élevée à 35 degrés Celsius et elle causera un froid en fin de journée à 17 degrés Celsius, température minimale. De temps en temps, le soleil, le nuage plutôt, apparaîtra dans la ville de Lubumbashi. Aucune humidité, mais un vent se présente entre 19 à 43 km par heure. Menace de pluie dans la ville de Kisangani ainsi que Kananga. Mais c'est le plein soleil qui règne derrière le nuage de menace de pluie. 32 degrés Celsius de chaleur dans la ville de Kananga et 29 degrés Celsius pour Kisangani. Tandis qu'en fin de journée, la température baissera 22 degrés Celsius pour Kisangani et 20 degrés Celsius pour la ville de Kananga. 80% d'humidité, 50% d'humidité pour Kananga et un vent se présente entre 6 à 22 km par heure pour Kisangani et 9 à 31 km par heure pour la ville de Kananga. Et pour terminer ces bulletins, nous sommes dans la ville de Kamina. La température est élevée à 34 degrés Celsius de chaleur. De temps en temps, le nuage sera remarquable mais caché derrière le
soleil. Elle baissera en fin de journée à atteindre 20 degrés Celsius, température minimale. Aucune humidité pour la ville de Kamina, mais un vent se présente entre 12 à 28 km par heure. Madame, messieurs, c'est la fin de ce bulletin de météo. Je vous remercie de l'avoir suivi.